Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. No pasó nada. Mira qué curioso. ¿Qué te parece que sea? ¿Un juguete? Más joven. Un mecanismo muy bueno. Un invento que prolonga la vida de su usuario. Pero contiene reglas. Reglas precisas y muy estrictas sobre cómo debe usarse. Usted habla de eternidad. Y mireme, mire mi pierna, está descompuesta, se me está cayendo a pedazos. Eh oui, bonsoir, bonjour à tous, chers amis, chers abonnés. Nous sommes dans la semaine qui précède Halloween. Halloween étant la semaine prochaine, le 31. Et j'ai eu l'occasion, un petit peu comme ça, de me voir quelques films d'horreur, d'épouvante, un petit peu. Et j'ai retrouvé une petite perle qui date de 92-93 et qui s'appelle Chronos. Alors Chronos, peut-être que certains ne le connaissent pas ou ne l'ont pas encore vu. Mais si je vous dis son réalisateur, eh bien ça vous va mettre tout de suite à l'oreille puisqu'il s'agit de Guillermo del Toro. Et oui, le réalisateur, entre autres, de La Forme de l'eau, de Blade 2, de Hellboy, etc. Oui, eh bien il a commencé avec ce film. Attention, hein, ne vous fiez pas à la jaquette de ce DVD qui ne correspond pas vraiment à la jaquette originale. Vous l'avez d'ailleurs dans la miniature. Mais en tout cas, c'est le premier film réalisé par Guillermo del Toro. Alors au casting, nous avons Federico Lupi, nous avons Ron Perlman, qu'on verra c'est dans d'autres films après, je crois sa première rencontre, mais aussi Claudio Brooks, et ou encore Margarita Isabel, des acteurs mexicains. Le film étant mexicain, ou le mot des taureaux étant mexicain. Alors je vais vous dire un petit peu l'histoire, qui est très intéressante. Voilà, c'est un antiquaire, incarné par Federico Lupi dans le film, son nom est Jesus Gris, qui est grand-père d'une fillette apparemment muette, enfin du moins elle ne parle pas dans le film, et qui va comme ça découvrir un jour dans sa boutique un scarabée en or dans le socle d'une statue en bois, enfin d'une statue d'ange en bois qu'il est voilà, en train de nettoyer, tout ça. Il découvre ça et il se trouve que ce scarabée en or, d'ailleurs il y a un petit rapport aussi avec le scarabée d'or d'Edgar Allan Poe, mais bref, passons. Je m'égare. Et ce scarabée en or, en réalité, est doté d'un mécanisme assez particulier, comme un mécanisme d'horloge, qui est capable de donner la vie éternelle à celui qui accepte de se faire piquer, quoi, de se faire mordre par le mécanisme, quoi.
Alors, on n'a rien, c'est une sorte de sacrifice, voilà, le sang contre la vie éternelle, puisque ça avait été créé par un alchimiste italien qui avait immigré à Veracruz en 1536, un certain Fulcanelli, dont le nom existe réellement, hein, on dit que c'est un alchimiste italien, et qui avait testé ça sur lui, et justement qui avait vécu plus de 100 ans, puisqu'il avait été retrouvé mort dans l'effondrement de son immeuble en 1937. Je spoil rien, hein, c'est dès le début du film, c'est ce que l'on voit. Il faut savoir que c'est le premier long métrage de Guillermo del Toro, donc c'est déjà assez intéressant sur ce point de vue-là. Le titre initial devait être Le vampire d'Aurora Gray, Aurora étant le prénom de la fillette dans le film. Et ça devait jouer, je pense, avec le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Bon, bref, ça n'a pas plu à la productrice à l'époque, et donc Guillermo del Toro a dû être obligé d'en changer. Mais on y retrouve déjà dans ce film un petit peu tous les thèmes que l'on va retrouver un petit peu dans les films de Guillermo del Toro. Savoir, il y a beaucoup d'usages de symbolisme chrétien, beaucoup de très religieux, comme ça, on sait que Guillermo del Toro aime bien jouer sur les symboles chrétiens, et notamment commencer par le nom du personnage principal incarné par Federico Lupi, qui s'appelle Jesus Christ. Hein, Jesus Christ, Jesus Christo, Jésus, voilà. En plus, avec ce côté vie éternelle, tout ça, Lazare qui revient des morts, tout ça, c'est évident. Il y a beaucoup de choses comme ça, les symboles aussi, le fait que l'on trouve ce scarabée, je crois qu'il y a aussi rapport un petit peu à la mythologie égyptienne en même temps, qui mélange comme ça avec dans un ange de bois. Donc vous voyez, il mélange un petit peu tout ce qui a rapport avec la vie éternelle. C'est un film exactement sur la vie éternelle. Donc il y avait déjà, c'est pour ça que c'est très intéressant à revoir ce film, parce qu'on retrouve déjà tous les symboles que l'on reverra dans les films de Del Toro par la suite. Sauf évidemment Joanne avec Pacific Rim et compagnie, qui est un petit peu à part. C'est aussi sa première rencontre, ça marque un peu sa première rencontre avec Ron Perlman, ce célèbre acteur américain que l'on a vu déjà dans des films de Jean-Jacques Hano notamment, mais là que sa première rencontre, et qu'il retrouvera 9 ans plus tard, ça s'est tellement bien passé, qu'il retrouvera 9 ans plus tard dans Blade 2, que l'on reverra aussi dans Hellboy, voilà, et aussi, mais aussi Federico Lupi, que l'on a retrouvé aussi dans le film qui va le produire ensuite, qui s'appellera L'échine du diable. Bref, c'est un film qui va assurer à Del Toro un petit peu la reconnaissance de ses pairs dans le milieu du cinéma, et notamment à Hollywood, puisque ça va lui ouvrir comme ça les portes du cinéma américain, et c'est lui qui notamment va créer Mimic en 1997. Voilà, c'est l'origine un petit peu de ce film, c'est pour ça qu'après on va le voir un peu dans le cinéma américain. Première rencontre aussi, ce film va assurer sa rencontre avec Almodovar lors d'un festival à Miami en 1994, où il va le rencontrer, et voilà, va naître une amitié qui va permettre ensuite à Almodovar de produire Les Chines du Diable, réalisé toujours par Del Toro. Au point de vue des récompenses, il obtiendra 8 Ariel. Alors les Ariel, ce sont les équivalents mexicains des Oscars, dont celui de meilleur réalisateur et de meilleur film. Alors ce que j'ai pensé de ce film, eh bien c'est assez spécial. Je veux dire, ne vous attendez pas à voir un film d'horreur classique, d'épouvante. Vous allez être un petit peu déçu si vous attendez à voir du Del Toro classique qu'on connaît, hein, avec des meurtres ou des créatures, etc. Il y a aussi, on voit des vampires, on voit des choses, mais voilà, c'est beaucoup plus psychologique, c'est un récit qui prend son temps, qui prend beaucoup son temps. C'est comment dire, c'est
ces messages sur un peu la lutte. C'est un vieillard qui finalement va accepter un peu le fait de ce petit objet comme ça pour accéder à la vie éternelle, c'est ça. Et aussi, il n'est pas tout à fait seul dans cette course à la vie éternelle, puisque aussi on trouve un vieillard malade, mais patron d'une grosse entreprise, dont Ron Perlman, enfin, le personnage incarné par Ron Perlman, est le neveu, qui essaye lui aussi un petit peu de posséder ce secret, hein, puisqu'il est au courant qu'il existe. Par contre, lui, il est au courant que cet objet existe, mais voilà, il l'a pas en sa possession. Et voilà, ils vont essayer de se combattre pour obtenir la vie éternelle et devenir immortel comme cela. Mais la vie éternelle nécessite des sacrifices. Le sacrifice, ce qui est un petit peu, eh bien, de renoncer à certaines choses, notamment à la lumière du soleil. Et c'est pour ça que c'est un film qui revisite un peu là, oui, d'une certaine manière, le mythe du vampire, mais aussi de tous ces mythes un petit peu de l'éternité, de l'intemporalité, tout ça, voilà. Est-ce que finalement c'est une bénédiction ou une malédiction d'avoir la vie éternelle? On a tous envie de vivre en immortel, mais est-ce que ça vaut le coup quand on sait tous les sacrifices qu'il faut faire? Et ce film est, voilà, philosophiquement, c'est un film qui est assez passionnant à suivre. Comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, sauf les 20 dernières minutes à la fin, où là, on a vraiment la déconstruction du corps de Federico Lupi, enfin de Jesus Christ, qui perd qui gagne en immortalité, mais qui perd sa peau. Et voilà, jusqu'au bout, voilà, il doit accepter ça, le fait de se transformer. Et puis, s'il veut continuer à vivre immortel, eh bien, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, il refuse. Voilà, il refuse symboliquement, en tant que Jesus Christ, il refuse l'immortalité, sachant que je suis déjà immortel, je resterai immortel. Il y a toute une réflexion là-dessus. Comme je vous ai dit, il y a un peu des références aussi, non seulement au christianisme, aussi le scarabée, ça fait un petit peu référence aussi un peu au scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. Au point de vue des décors, c'est assez travaillé, c'est assez fouillé. Ça se passe déjà au Mexique, donc déjà, voilà, ça nous fait changer un petit peu d'environnement culturel, ce qui est intéressant, puisqu'on sait que les Mexicains aussi ont un rapport assez particulier avec la mort. La Fiesta de los Muertes, Muertos, pardon, qui est assez connue au Mexique. Donc, il y a aussi toute une réflexion là-dessus. Mais pas de plans qui sont assez marquants, sauf vers la fin, avec ces symboliques bleues, tout ça, ces lumières vertes. Voilà. C'est un film d'enquête particulièrement, avec histoire de possession, de débat philosophique autour de cette histoire de vie et de mort. C'est assez long, si vous aimez pas les. Si vous aimez les films d'épouvante, mais. Voilà, vous voulez voir des créatures, j'ai envie de dire, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez un petit peu le thème que développe ce film, c'est-à-dire Chronos, rapport au temps, rapport à l'éternité, tout ça, eh bien, ça peut vous intéresser. Comme vous avez vu dans la bande-annonce, c'est lent, mais c'est assez fascinant à découvrir au point de vue, voilà, la chimie. L'église chrétienne, le christianisme, tout ça, comment tout ça se fond pour avoir développé une réflexion sur le temps. Bref, et puis enfin, c'est le premier film de Del Toro, donc c'est très intéressant à voir si vous découvrez si vous aimez ce réalisateur, d'avoir un petit peu le premier film de ce réalisateur et de montrer un petit peu comment ensuite, sur ses bases, il a développé tout son univers qu'on connaît par la suite. Voilà donc Chronos,
un petit bijou à vous refaire en cette semaine qui précède Halloween. Alors je ne sais pas s'il est disponible sur les plateformes. Il est disponible, vous voyez, en DVD. Attention, hein, cette jaquette là, c'est une jaquette réinventée, donc d'ailleurs il faudrait que je la change un peu. Donc Chronos, si vous aimez le cinéma de Del Toro et si vous voulez voir ses débuts au cinéma, eh bien foncez, trouvez ce film et vous n'allez pas vous ennuyer si vous acceptez de rentrer dans le film. Enfin, il faut accepter de rentrer dans le film, de rentrer dans un film qui était un petit peu petit budget, hein. Faut pas non plus. Voilà, c'est son premier film, son premier long métrage. On voit qu'il n'y avait pas le budget qu'il va y avoir par la suite. Mais si vous acceptez de rentrer dans cette histoire, qui est longue mais passionnante, eh bien vous allez un petit peu être intéressé et vous allez adorer peut-être. Voilà. Donc Chronos de Del Toro, je vous recommande de le voir. Juste par curiosité. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que samedi vers 18h30, nous nous retrouvons en live pour faire une review avec l'ami Christophe VGeek que j'ai invité un petit peu sur ma chaîne. Et on va parler des films que j'ai vus cette semaine. Et on peut être, entre autres, on parlera de Chronos. Je vous attends samedi donc à 18h30 sur ma chaîne pour ce live spécial. Si vous voulez, vous pourrez aussi en direct via le chat me poser des questions sur un peu les films que j'ai vus et puis débattre entre nous. Sur ce, je vous dis au revoir et puis à bientôt.